Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur 7 Days, 7 Readers pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, mon thème à moi avec Céline et Annelise, c'est The Rainbow Spine Tag. Alors vous allez me dire, oui, mais quel est le but de ce tag? Eh bien, il s'agit en fait tout simplement de faire un arc-en-ciel avec la tranche des livres, la couleur de la tranche des livres. Donc en passant par les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet, ça fait 7, je crois, oui. Enfin bref, voilà. Donc mon arc-en-ciel ressemble à ça. Et nous allons le voir tout de suite en détail. Pour la couleur rouge, j'ai donc choisi Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Et c'est donc illustré par Benjamin Lacombe, un beau rouge bordeaux, voilà. Pour la couleur orange, j'ai choisi un livre que j'ai eu il y a très très longtemps et que je trouve tout simplement magnifique. Il s'agit de La Terre racontée aux enfants, donc la tranche est bien orange. Et c'est un livre qui est vraiment super beau et bourré d'illustrations vraiment magnifiques. Pour la couleur jaune, je vous avoue que j'ai franchement galéré. Du coup, j'ai pioché un petit peu dans tout ce qui était BD. Et je vous ai sorti un livre de ma collection des Tintins. Donc c'était un double volume, Les aventures de Tintin, Les cigares du pharaon, pardon, il est ici, et Le lotus bleu. Donc voilà, la tranche est bien jaune. Pour la couleur verte, j'ai choisi un artbook café salé, le premier en fait, qui est bien vert pomme, on voit pas bien. Voilà. Toujours ces magnifiques artbooks dont je suis très content. Pour la couleur bleue, j'ai choisi le tome 1 de Black Rain. Pour le bleu indigo, j'ai choisi Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien. Et enfin, pour la couleur violette, j'ai choisi le premier tome de Magic. Donc le livre 1 de Angie Sage aux éditions Albin Michel Louise. Voilà, voilà. Donc je vous remets en photo mon arc-en-ciel maintenant. Cette vidéo est déjà terminée. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!